l'aiguille, on ne l'appelait que Laveuse. Rappeur qui l'avait dit d'une façon menée sous nos tenues qui n'était pas à celle des autres. Carif, Androuillon, t'avais intérêt à dégager son chemin quand il prenait le volant. Un coup heureux que, comme il avait autant de sous qu'un grappillard de piolme, il devait se contenter de vieux cassons. Je me souviens à couvert de sa première. Il ne huva qu'à vieux. Le bout est en couvert, jota de forage. Il a peu de conduit durant un coup de tournée sans permis. Et quand il conduit, les façons de causer. Parce que était plutôt la huva qui était arroutée toute seule quand la plaveuse s'en venait de sauver. Vous avez peu de compris. Et l'homme peut faire comme un creux de pas. Non, pas c'était une nulle à parler de ses exploits. Comme une fois, entre Châtelaillon et La Rochelle, il avait roulé 6 km sur la piste cyclable. Tu parles que Hitty Benez, Michel Petit-Rodeau, autant que les autres sostouquiens sur la grande d'à côté, il disait de cacassin. Personne! À part 2-3 vélos et des moustiques touchés des cyclistes qui s'amiaient en se tapant sur le front pour les éblouir. Ou ben, la fois qu'il avait viré 5 Olympias François 1er à Cognac en cherchant la route de Barbezieux. Voit-il pas le danger au pays sur le tue d'un camion et de le seguer? Et de s'en retrouver à Ruffec 2 heures après. Non, on n'en finirait pas si vous disiez tout. À force, sa femme s'était mise en prélit. C'était un voué, t'as pas de permis. Cela arrive toujours, chose. Et je mangerai ce que j'avais et ce que j'avais pas. Si bonne que, voilà la cœur laveuse rendue de Pontaya à passer son permis. Avec la juva. Il faut dire qu'à cette époque, non, on passait tout ensemble, le code et la conduite, il n'y avait point d'auto-école, de double commande, ni run. Pour le code, c'est pas si comme un chat. Attention, il était pas sous comme laveuse. Deuxième de canton au certificat. Pour la conduite, c'est pas aussi d'automat. Chez l'examinateur, j'ai dit de mettre en route. J'ai le huva, foutit un pimmel. Bam! Il faisait chier 2 têtes de pitié, foutit à besoin toutes les pancartes de la rue. Elle avait tout pour une pauvre femme qui passait le temps juste chez le moulin pour laisser faire son marché, pour le mal. Elle s'est retrouvée avec son cabane à la main et juste un petit bout de culotte dans le pénis. Elle se mettit à courir dans une chambre. Venez, que des cigares laveuses et des lavances qui pourra point. Tout rabousillé sur son siège, grelottant comme un chêne lapidé et gaille, chez l'examinateur, il décide une voix blanche, allez, avancez. Qu'avait-il pas dit, le malheureux? Ah, à de l'avance, à cette heure, il y en avait. J'ai le huva, vas-y, t'es un bon farceur. Si tellement que le siège de l'examinateur casse d'un écho, et je vous pourrais s'en retrouver que par-dessus chose dans les 22 qui étaient en arrière. Arrêtez qui huchez, mais arrêtez, mais vous êtes un âge public, mais vous ne savez pas conduire, mais arrêtez, franchement. Ah, c'est un âge public. Ah, je ne sais pas conduire. Bon, on va te supervivre, moi, si je ne sais pas conduire. Allez, bien gaz. Des vieux Royanais se souvenant en cuir de chez Cornet, la dévastation sur son passage. 2 poubelles ébouillées rue Bellamy, 1 chenelou boulevard de Cordouan, les massifs de casino tout à pied, le guignol est paré sur la pierre, et au marché, a-t-il pas pris les baraques des forêts en finale, les caissons avec les andouilles, les boules de fromage qu'attrapient la rue, Pierre Lotti en toutes zibures, un carnage. Mais je te l'ai dans Guerlain, elle publie aussi pas si tôt pas.
la Vétopola, la veillée Gantine, la marchande Sancel qui avait déjà bu toute sa tête, et la belle Sancel, la belle Sancel. Ça t'a retrouvé la malheureuse, le tue sur ses sardines avec sa chevrette à bras. Elle était là, Bounhan, à cette heure complètement folle, qui battait la goule et qui riait aux anges. Quand les servantes avant d'arriver, les ramadaient et qui te vu ça passer et qui tout réfléchit, elles y répondit en chantant c'est l'âge fabuleux. Laveuse ramenée sans chat d'assaut à son point d'épaule, me fumait de poteau. À moitié asphyxié, l'examinateur cherchait son champion en mitant des œufs d'arrière en braillant sa mère. Sans ménagement, l'autre le sortit de chez l'auto et la poignée à deux mains à son pantalon. Alors, dit, elle sait pas conduire, au moins, dit. Hein, elle sait pas conduire, dit. Il n'y a personne de mort, au moins, comme le talon, il voit bien. Donc, si cœur laveuse, vous ne coumez pas boum, mais ça ne va pas durer si je l'ai pas, je vous permets. Si, musant, quand musant. Et au pauvre ingénieur, qui avait une femme des knailles, c'est un vie belle loin de s'en tirer comme je, en s'y donnant le fameux papillon. Et qui est-il devenu cœur laveuse? Eh ben, il a tombé plus fort que lui. Une ramenée qui roulait en sans interdit à Sainte, et il y a une autre seule qui a brûlé un stop et qui t'a envoyé mon cœur laveuse directement au paradis. Et comme les là-bas, soi-disant, qui gouvernant tout ce qui se passe, il dit, il n'y a qu'à voir comment ça se passe, je pense qu'il avait nommé cœur laveuse ministre des Transports. Qu'est-ce qu'on fit tellement?